Adler. Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason? On va pouvoir donner l'assaut. Cassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Leur fil, Woods. Ne faisons pas attendre ici. Hey, Mason! Les petits cadeaux sont dans le coffre. Il doit sûrement se croire à l'abri. Ce connard est un paquet de choses. Mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard en vie, Adler. Cassim a des infos, mais les autres, on peut les abattre. L'appartement est droit devant. Hans nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Cassim vite et bien. Allez! Il nous faut Cassim vivant. Cassim ne peut pas s'enfuir. Trouvez-le. Je vais me mettre à couvert. Faut me couvrir, putain. On bouge. Ennemi repéré. Go. Attention, Woods, il nous le faut vivant. Go. On se dépêche. Le lâchez pas! Merde! Il court vite! Go! On se dépêche! Tu peux pas t'enfuir, Cassim! On peut s'arranger! Ah! Non! À toi, Mason. Stop! Oh, stop! Non! Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout où est Arash. Je crois que tu comprends mal la situation. Les Américains ont des lois. Vous avez des lois. T'as pris des otages.
Ça change tout. Non, 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 non. Il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain soir. Un de moins, plus qu'un. Je me fais le prochain. Hudson, arrache et à Trabzon en Turquie. On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arash ? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. On doit d'abord identifier Arash avant que ça tourne mal. Mason, jette un œil. C'est pas lui. Aucun signe d'Arash. Non. Il y a un véhicule, à gauche. Surveille-le, Mason. Arash est peut-être dans la bagnole. J'arrive pas à voir sa tête. Je l'aime pas. Il vient de buter tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arash. Tirez pas, on doit en être bien sûr. C'est notre homme. Tu es. Débarrassez-moi des corps, ils sont dans le camion. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste faire en sorte que personne ne les trouve. Merde! On l'a loupé! On doit pas le laisser s'échapper! Ugh.
As-tu libéré les otages quand tu le pouvais encore ? Ah, les otages ! Mais les otages n'ont qu'une importance ! Son plan est déjà en marche ! Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois ! De qui tu parles ? Perseus ! Foutaise, Perseus est mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça, Perseus ?1943. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats Viet Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une base. Il y a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après 13 années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell... Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle ? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles. Et sans doute illégales, si la presse découvre tout non, ça... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui on est ? Chacune de nos missions est illégale ! Sergent Woods, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là, on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûr, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé ? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue ? Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants.